repartir recto du moule. Hop. Une qui se barre. Là. Donc là, il est centré. Je mets l'autre partie. Ah. Je te dis ça sur un truc assez dur. Là. Pas trop non plus. Parce que normalement, il faut du papier à fibre longue pour gaufrer. Je craquoté là. Je n'en ai pas trouvé. Donc là, j'ai pris du ponçon assez épais. Là, je l'enlève. Et à ce moment-là, j'ai le corps qui est gaufré. Là, vous pouvez les épingler sur le béton et vraiment gentiment, pas à fond. Et à ce moment-là, vous réglez le papillon qui soit donc à 1,5 cm à peu près.
et qu'il soit perpendiculaire à l'épingle. Remettre dessous, coller à côté, après remettre de la colle ici, là, ici sur le côté et dessous, un autre côté, un autre petit, mais commencer par le petit, hein, automatiquement. D'accord. Ça ils sont tous petits. Et après, bien le centrer et ne plus y toucher pendant une heure.
avec la colle U en strict là. Là, avec la une passage, vous la positionnez. Vous êtes d'accord ? Et on l'aplatit après. Et vous l'aplatissez. D'accord. Là, ok. C'est tout. D'accord. Ok, ça marche. Ce qui est important, c'est le point de colle en bas.